Dieu, nom de Dieu, de nom de Dieu, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Arrête cette musique, hein. J'en ai rien la couronne de cette musique, moi. Nom de Dieu. Arrête cette musique. Nom de Dieu. Nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. De nom de Dieu. J'ai une demi-sœur. Et deux demi-frères. Déjà que j'ai plus qu'un demi-pays. Nom de Dieu. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Et depuis 261 jours, j'ai un iguane dans mon salon. Barre de Weaver, l'iguane avec ses yeux. Et avec... Oh. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Riez seulement, mais... Il est là. Et il me regarde comme ça, avec ses yeux globuleux comme ça. Hein. Parfois, j'ai l'impression qu'il veut me bouffer. Parce qu'en plus, je ne sais pas ce que ça mange, hein, ces trucs-là. Et là, je lui donnerais bien à manger Fabiola. Mais il n'y a plus rien à bouffer là-dessus, hein. Il n'y a plus que des cheveux. Nom de Dieu. Donc, comme je ne savais pas ce que ça mangeait, j'ai été voir sur Wikipédia. J'aime bien Wikipédia. Et j'ai vu que les iguanes, ça mangeait parfois des petits invertébrés. Du coup, j'ai demandé à Philippe de rester dans sa chambre. Non, mais dites-les... Rien la couronne à moi. Rien la couronne à moi. Nom d'un chien. Encore, bon, Barre de Weaver, ça va, mais celui qui était avant, le terme, il puait celui-là. Nom de Dieu. Il a rêvé toujours avec 12 chèvres ici au palais, on était obligé d'aérer pendant 2 jours. Et la dernière fois, l'avant-dernière fois qu'il est venu, il est venu avec les deux vieux du Meupette, là, Dehaene et Martens. Nom de Dieu. Déjà, Martens, le matin, tu ouvres ta porte, il est là. Bonjour, Sire, tralala. Oui, c'est ça. Imbécile, celui-là. Nom de Dieu. Et l'autre, le gros, Dehaene. Celui-là, il bouffait tous mes chips. Nom de Dieu. Un jour, hein, j'avais tout préparé, une petite messe mal à merveilleux. Il a bouffé mon merveilleux, nom de Dieu. Dehaene, c'est pas un homme, c'est un stère-pute. Nom de Dieu. Et encore avant, c'était l'autre avec ses dents. Verhofstadt. Chaque fois que je le voyais, je dis, tu veux une carotte? Nom de Dieu. Moi, j'ai peur que M. Dirupon devienne un jour Premier ministre dans ce pays, hein. Déjà, en prévention, j'ai plaqué tous les fauteuils contre le mur. On ne sait jamais. Bon, je suis un peu colère, mais mettez-vous à ma place, hein. Si encore j'avais des enfants intelligents, ça irait, mais même pas. Philippe, il comprend rien à rien, celui-là. L'autre jour, je lui ai dit, Philippe, le gouvernement est tombé. Il est revenu avec des mercurochromes. Nom de Dieu, de mon... Cela dit, je vais vous dire, je suis un petit peu colère. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que Barre de Weaver veut raboter ma dotation. Alors je lui dis, attention, gamin, on touche pas à mes acquis sociaux ici, hein. Du coup, je suis passé au travers. Mais la vieille... Rabotée, Fabiola. Du coup, elle n'a pas pu faire son vaccin contre la grippe. Moi, je me suis dit, avec un peu de chance... Eh ben, elle résiste, hein. Nom de Dieu. Je suis sûr, le virus arrive, il la voit, il fout le camp. En plus, hey, Fabiola, elle est toujours malade. Hein? Elle m'a fait une pneumonie, dites. Oh, je suis arrivé à la clinique ce jour-là. Déjà en bas, sur le pas de la porte, j'entendais dans sa chambre. Je monte les escaliers. Nom de Dieu, j'arrive de la chambre. Je dis, vous pourriez pas y mettre de l'huile, elle grince. Et alors, elle délirait complètement, hein, des mots incompréhensibles. Hein. Badouine, badouine, badouine. Je dis, c'est quoi ça, badouine? 2 jours pour comprendre que c'était Baudouin. Nom de Dieu. Badouine. T'en foutrais, moi, des badouines. Parfois, elle dormait. Et là, j'avais une paix royale. C'est le cas de le dire. Tout ce qu'il y avait à côté de son lit, c'est une petite télé qui faisait pip, 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 pip. Bon, moi, personnellement, j'aurais préféré entendre pip. Bon, enfin, bon. Tenez, l'autre jour, on part en vacances. Bon, je mets mes valises dans la Fiat 500... Paola vient en faisant la gueule jusque-là comme d'habitude. 40 ans qu'elle vit en Belgique, elle n'a toujours pas perdu son accent, celle-là. J'aurais dû rester avec l'autre, hein. Enfin bon, donc. Oh, bon. Je me mets à mon volant. Je vais pour mettre le contact. Qui est sur le pas de la porte? Crolocop.
Mais comment est-ce qu'elle fait pour avoir des crolles comme ça? Elle doit avoir des bigoudis comme ça, hein? Et vous imaginez le casque chez le coiffeur, c'est un bazar comme ça? Tout ça pour avoir des cheveux bleus? Nom de Dieu, les... Bon, allez. Trêve de plaisanterie ici. Allez. Comme c'est bientôt fini ici, je vais vous faire mon dernier discours. Et après ça, je pars à Grasse avec ma grosse. Ma grosse voiture, hein? Oh! Bon, allez. On peut y aller? Bon. One, two, one, two. Alberto, one, two. Allô? Allô, de là? Badouin? Badouin. Oh, de Dieu, de nom de Dieu. Enfin, bon. Je peux y aller, ça tourne? Bon. Mes chers compatripotes, comme le disait si bien feu mon frère, le roi Baudouin, un homme qui savait rire, comme il le disait si bien, il vaut mieux avoir connu une anus horribilis qu'un anus artificiel. Quoique, avec ce qu'ils me font chier depuis 3 ans, un deuxième ne serait pas de luxe, hein, dit nom de Dieu. Dit... Nom de Dieu. Mes chers compatripotes, j'ai décidé, en accord avec moi-même, de remplacer la Brabanson par une chanson un peu plus moderne. J'ai donc demandé à un jeune artiste belge qui s'appelle Stromae, c'est donc une toute nouvelle chanson que je vais avoir le plaisir de vous interpréter. Attention, musique, on va y aller. Qui dit foutu te dit Barthes, qui te dit Barthes te dit foutu. Qui dit Dardenne te dit bourré, qui dit Dardenne te dit yes man. Qui dit Milquet te dit atroce, même si l'union fait la force. Qui dit Albert te dit fatigue, tout ça énerve bien mes nerfs. Qui dit Dardenne te dit bourré, qui dit Magnette te dit yes man. Qui dit Philippe dit non, pas lui, il est pas prêt, il est trop petit. Qui dit crise dit Belgique, dit panique, limbique. Alors partons pour oublier.